Je porte des exosquelettes, donc deux exosquelettes que nous utilisons dans nos activités. Un exosquelette bras en l'air pour toutes les activités en fait qui nécessitent d'avoir les bras en l'air comme le meulage au plafond, et un exosquelette assis debout, donc qui permet lors de différents contrôles de s'asseoir en fait et de réduire la fatigue des collaborateurs. Chez Framatome, on travaille avec les HoloLens, donc c'est des lunettes de réalité mixte, donc virtuelle et augmentée, et donc on travaille dans les domaines de la formation et de l'intervention. Donc là, je vois un couvercle de cuve. Donc c'est la partie supérieure du cœur du réacteur. Comme vous pouvez le voir là, c'est un gros équipement. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut amener comme ça sur les salons assez facilement. Et l'objectif, c'était de pouvoir de montrer aussi finalement la taille réelle des équipements qu'on peut retrouver en centrale, pour que les visiteurs puissent se rendre compte finalement de la taille des équipements, quoi. L'objectif, c'est bien de montrer aux jeunes générations qu'on a une pluralité de métiers très importante chez Framatome pour les hommes et les femmes. Et qu'on innove dans toutes nos activités pour finalement améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs.